Bonsoir tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode sur F1 2017. Bienvenue pour cette 18e manche du championnat. Nous sommes à Mexico et on a une chier de points de ressources. Petit bonus de 750 nouveaux points. Qui nous ont été offerts par nos sponsors. Et donc, du coup, c'est une merveilleuse nouvelle, puisque on va pouvoir faire notre fameuse amélioration finale en termes de châssis, en quelque sorte, qui arrivera pour l'Australie, donc parfait, hein, ça arrivera pile pour le début de la deuxième saison. Normalement, amélioration qui devrait nous passer à la 8e place en termes de châssis. Et on va pouvoir améliorer la boîte de vitesse, donc ça arrivera pour le prochain Grand Prix du Brésil, avant-dernière épreuve du championnat, mais ça va surtout servir pour la deuxième saison. Autre bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste 3 Grands Prix, donc on va pouvoir faire l'amélioration 2 et 3 du moteur à combustion interne, et profiter normalement, parce qu'on va faire l'amélioration 2, on va la faire à la fin de la course, voire même à la fin des essais, on pourra la lancer. L'amélioration 3 arrivera au Brésil et donc on aura le Grand Prix d'Abu Dhabi pour économiser pour le moteur, puisqu'il faut 1500 points, et voire même si on a encore une fois de la chance, si les sponsors décident d'être généreux encore une fois en cette fin de saison avec 750 points, qui sait, peut-être même lancer cette amélioration-là. D'ici la fin de saison. Donc franchement, on a d'énormes progrès sur la voiture et ça fait très plaisir. Et donc après, bah, on pourra se concentrer sur l'aéro. Très franchement, cela l'aéro, il faut qu'on progresse et faire toutes ces améliorations déjà sur l'aileron avant nous permettrait, je pense, en quelque sorte, de rattraper McLaren Honda. Peut-être pas de les dépasser, mais de les rattraper. Donc, ça, cette amélioration-là, apparemment, ça nous permettrait de devancer McLaren Honda, tiens d'ailleurs, en termes de développement global de la voiture, donc ce qui veut dire qu'on ne les dépassera pas cette saison. Tant pis, c'est pas grave. R&D en cours, donc ça, on a dit. Développement de la voiture, seulement McLaren qui a apporté une amélioration pour ce Grand Prix du Mexique. McLaren, Mercedes qui a apporté une amélioration pour ce Grand Prix du Mexique, histoire de sacré de titrer Valtteri Bottas, hein, qui peut devenir champion dès aujourd'hui. Il lui suffit d'avoir plus de 50 points d'avance sur Kimi Raikkonen, et c'est bon, c'est torché, merci, au revoir. Finlandais qui deviendrait champion du monde dès sa première saison dans l'écurie de Brackley, donc pas mal. Nous, on aura. Et je crois qu'on n'aura même pas diminué l'écart avec McLaren. Très franchement. On aura bien diminué, je pense, avec As, mais on n'a rien diminué avec McLaren. Pourtant, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On aura fait 7 améliorations. 1, 2, 4, 5, 6. Si, normalement, on a fait une amélioration de mieux que McLaren, mais c'est pas glorieux. Et le milieu de peloton, bon, c'est serré. Par contre, Red Bull qui est bien remonté sur les équipes de tête, ce qui veut dire qu'en deuxième saison, on aura peut-être un championnat à 6 qui peut se dessiner. Le moteur 5, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc il va nous servir pour le Mexique, pour le Brésil. Et puis après, bon, bah, je pense que le dernier Grand Prix, ça va être un peu difficile. Boîte de vitesse, on est sur la dernière. Ah, bah on va pas changer de pièce. On va pas changer de pièce pour aujourd'hui. On prendra peut-être une pénalité au Brésil. Le mieux serait de la prendre à Abu Dhabi, mais bon, on verra bien. En tout cas, on va partir faire les essais et nous, on va se retrouver pour la qualification. Et nous voici donc pour la séance de qualification du Grand Prix du Mexique. Alors, les essais, ça s'est pas trop mal passé pour nos pilotes. Gestion des pneus un peu difficile, gestion du carburant comme d'habitude, mais gestion des pneus plus difficile que prévu, donc il y a quand même une usure assez importante sur ce circuit. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que rien qu'avec les essais, on a réussi à accumuler les 500 points nécessaires pour faire l'amélioration du turbocompresseur, la deuxième. Donc ça, elle va être lancée après cette séance de qualification.
Donc ça arrivera également pour le Grand Prix du Brésil. Donc ça déjà, très bonne nouvelle. Donc on va partir sur deux tentatives. Qualif, course, temps sec, grosse température, grosse chaleur. Circuit qui en demande quand même au turbo. On est à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc moins d'air présent. Mais bon. Verlaine, tiens, qui est déjà parti pour son premier tour chronométré. On va mettre un minimum de carburant dans la voiture. Et partir donc mettre une première marque. Objectif 18e pour l'équipe. 17e. Je pense qu'on peut battre les McLaren sur un circuit où le moteur est quand même assez important. Et une 18,3, 2 secondes, une de retard sur Lewis Hamilton. Premier temps qui est plutôt positif, hein, très franchement, c'était un très beau tour. Donc pour l'instant, au classement, Hamilton en pole en 1,16,1, c'est monstrueux, hein, 2 secondes, une. Par contre, on est devant Lance Stroll. Ça, c'est pas mal. Grosjean qui a un tour pour l'instant annulé. Grosjean qui n'est qu'à 2 dixièmes. Ouais, on est à 2 dixièmes de Carlos Sainz, hein. C'est pas mal du tout, ça veut dire qu'on peut peut-être chercher quelque chose. Ouais, Alonso est à 3 dixièmes derrière, c'est pas non plus énorme. On va avancer un petit peu le chrono, se mettre à peu près à 4 minutes de la fin. Et pour l'instant, on perd pas de place, on est dixième. Bon, il y a Ricciardo, Vettel, Verstappen qui n'ont pas fait de temps, bon, tu m'étonnes, c'est des gros. On va repartir, et dans l'espoir peut-être, hein, Kiat qui est pas loin, dans Palmer qui est derrière. Ouais, pourquoi pas aller chercher Carlos Sainz à 2 dixièmes, pourquoi pas. Et on va aller faire les 3 dixièmes, on va aller faire presque 9e position devant Carlos Sainz. C'était ce qu'on avait fixé comme objectif. Donc qualification réussie, on verra bien où on se situe sur la grille de départ. 12e position, alors ça c'est une très très belle qualification. Hamilton donc en pole, devant Sébastien Vettel, Bottas et Raikkonen, Ricciardo, Verstappen sur la troisième ligne. On est donc 12e, on a réussi à battre pas mal de monde et ça fait plutôt plaisir. De battre des équipes de milieu de peloton, Verlaine seulement dernier. Hein. On lui a mis 1 seconde 3 dans la vue. Ça fait plaisir. Il s'est même fait battre par les McLaren. Hein. Donc là, par contre, c'est un peu pitoyable de la part de Pascal. On bat les deux Toro Rosso. Alors ça, pareil, très 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 bonne chose. Alors, les petits points récupérés, ça nous en fait 582 suite à cette séance de qualification. Le face à Grosjean qui va être perdu, hein, ça va pas tarder. La réputation qui remonte, c'est pas mal. Bon, l'objectif de course, alors là ça devient compliqué l'objectif de course, parce qu'on voit qu'en qualif on a été bien plus vite que ce qui était prévu, ce qui était imaginable. 16e, ça me paraît oui. Avec des faits de course, on peut toujours tenter quelque chose. Alors on va afficher l'arbre de R&D. Faire donc cette amélioration, 582 points, on peut développer le moteur à combustion interne. Voilà, parfait, deux améliorations. Ça, c'est tout bénef pour nous. Et puis, ben, on va partir pour le Grand Prix. Et nous sommes sur la grille de départ, donc, pour l'avant-avant-dernière épreuve de ce championnat. Et Valtteri Bottas qui a 46 points d'avance sur Kimi Raikkonen. Mercedes qui peut également hein, faire une bonne option, voire même, je pense, récupérer le titre constructeur. Ça peut être possible avec Hamilton en pole. Et bah, tout est en train de se dessiner de la meilleure des façons pour l'équipe allemande. Et on va regarder donc la grille de départ. Donc, Lewis Hamilton, pole position devant Sébastien Vettel. Devant Valtteri Bottas et Kimi Raikkonen. Là, on a vraiment les deux grosses équipes. Les Red Bull sur la troisième ligne, Ricciardo devant Verstappen, Massa Hülkenberg, Pérez Grosjean pour le top 10. On démarre 11e devant Kevin Magnussen. Donc il y a une pénalité. On va voir pour qui. Palmer, Alonso 14e, Van Dorn devant Wehrlein, Stroll, Kiat.
Sainz et Ocon ont été pénalisés. Donc 4 pénalisés, et pour nous, c'est Ocon qui nous fait gagner une position. Donc, très intéressant. Des pénalités qui ont été prises pour ce Grand Prix. Peut-être qu'on aura des pénalités pour le Grand Prix du Brésil. Aha! Donc, stratégie à un seul arrêt. Et là, par contre, je pense que on va rester effectivement sur cette stratégie qui me paraît être bien plus intelligente, un peu plus de carburant. Et on est parti. Donc, on est 11e, porte du top 10, juste à côté de notre rival, Romain Grosjean. Devant, ça commence à devenir un peu compliqué. En termes de moteur, peut-être qu'on peut encore aller se battre avec Hülkenberg, mais c'est tout. Derrière, ça va être un peu chaud. Les As qui vont très probablement devenir l'objectif de cette deuxième saison. On va clairement chercher à dépasser McLaren Honda très rapidement, hein, dès les premiers Grands Prix de la saison 2. Et donc, on va chercher à rattraper AF1. Et donc, le milieu du peloton, forcément, le milieu du paquet, pour rentrer dans les points de façon régulière. Lors de la prochaine saison. Je pense que c'est un objectif qui est réalisable. Et pour cette course, eh ben écoutez, on est 11e, je pense pas qu'on arrive à faire mieux que cette place en qualif, donc on va faire notre course à notre rythme et voir où ça nous amène à l'arrivée. Montez le son, profitez du bruit du moteur, on se retrouve après le premier virage. Oh, contact entre Hülkenberg et Verstappen. Et plutôt un bon départ. On a réussi à attaquer Romain Grosjean, là, qui est sur notre droite. Attention, ça va peut-être être chaud devant le gros freinage pour aller chercher jusque Max Verstappen, peut-être, pour la 8e place. L'extérieur sur la Red Bull. On est un petit peu emporté sur l'extérieur du circuit. Et attention, parce que derrière, il y a peut-être Hülkenberg qui va vouloir s'infiltrer. Non, on arrive à défendre la 9e place pour l'instant. Alors, devant, ça s'est superbement envolé. Je sais pas trop pour qui, je pense que c'est Lewis Hamilton. Par contre, il y a et je pense que c'est Bottas devant qui s'est un petit peu foiré sur son départ. Alors là, ça s'est envolé. Ça s'est méchamment envolé dans le deuxième secteur. Avec Max Verstappen qui est tout de suite à l'attaque sur Sergio Pérez. On a Ricciardo, effectivement, je crois que Massa a dû réussir à dépasser Valtteri Bottas. Pour le championnat, c'est pas la bonne affaire pour le Finlandais. Premier tour et on est pour l'instant 9e. Le départ de ce Grand Prix du Mexique. Et Hamilton qui a fait plutôt un bon départ. Ainsi que Sébastien Vettel derrière. Ça s'est un peu foiré pour les Toro Rosso. Toro Rosso qui n'ont pas été très rapides. Hein. Esteban Ocon plutôt correct. Alors là, on va voir derrière nous, c'était la folie. C'était la folie, ça a voulu un peu se décaler devant voir un Romain Grosjean. Et là, ça bagarre sec au premier virage, voilà, entre Pérez, entre Hülkenberg et ça devait être Ricciardo, je crois. Une des Red Bull, Hamilton s'est envolé. Et là, voilà, le gros freinage pour aller chercher Grosjean, Hülkenberg, la petite bagarre avec Verstappen sur l'extérieur, mais bon, ça marche pas trop, hein, forcément. En plus, il a l'avantage sur tous les virages suivants. Hülkenberg qui tente de s'imposer, mais qui se ravise. Et ça nous met donc à la 9e place pour le moment. Le départ de Felipe Massa, qui était 7e sur la grille de départ et qui a fait un très bel envol. Magnifique envol! Où déjà, il y a une Red Bull qui est passée. Qui est passé au tapis, hein, ça c'est fait. L'aspiration sur la deuxième, c'est celle de Max Verstappen. Non, c'est Daniel Ricciardo. Et alors là, attention, alors là, le premier virage, c'est très chaud. Les Ferrari
En roue contre roue avec Bottas, Bottas qui est à l'extérieur et Massa qui va s'infiltrer en refermant bien la trajectoire sur Ricciardo. Un peu dangereux, mais 3 places gagnées pour Felipe Massa sur ce départ. Bien joué, franchement. Très très bien joué. On va revoir le départ avec Daniil Kvyat qui était P18, donc un des pénalisés de ce Grand Prix du Mexique. Et alors là, l'envol qui est complètement foiré. On voit Sainz à côté. Ocon qui a pas fait un très bel envol non plus. Hein. Tu me diras s'il le passe seulement maintenant, alors qu'il a un moteur Mercedes. Et devant, ça joue un peu. Ouais, ça. Oh, petit contact. Double contact avec Ocon. Là, ça commence à jouer la prudence. Devant ça. Oh, ça a chatouillé un peu avec Magnussen qui a failli partir en tête à queue. Et là, attention, troisième ligne créée avec Fernando Alonso. Avec Carlos Sainz. Oh, Ocon! Oh, la manœuvre d'Ocon, il faut la revoir. Donc on est avec Ocon. Voilà, on voit le double contact avec Kvyat. Alors là, la ligne droite. Alors là, va falloir regarder. Regardez le volant, la position. Donc là, Ocon est P20. Donc il est dernier. Aspiration sur Carlos Sainz. Kvyat qui se décale. Alonso qui se décale. Sainz. Et là, pouf! Énorme freinage de Ocon qui passe de P20 à. On va voir parce que là il est en bagarre avec Lance Stroll. Je crois, oui, avec Lance Stroll. Et voilà. Et Ocon, en 3 virages, qui est passé de P20 à P12. 8 positions gagnées par le Français. Magnifique, magnifique manœuvre. Et Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg qui tente le dépassement dans ce début de troisième tour. Ça va, oh, ça va résister avec le petit contact avec la Renault. Ah, il a pas voulu céder face à nous. Et là, Hülkenberg qui veut peut-être tenter à l'intérieur. Fin du premier secteur, on va essayer de défendre à l'extérieur pour avoir l'avantage sur le virage suivant. Comme face à Verstappen au premier tour, voilà, défense. Défense face à la Renault. Et pour l'instant, la 9e place qui est gardée devant, c'est en train de s'échapper de toute façon. Je pense que malheureusement, ça va être une course très difficile. Il faudrait faudrait des circonstances de course pour réussir à faire quelque chose. Attention, là on sort large. Valtteri Bottas dès le début du deuxième tour qui va aller effacer Felipe Massa qui avait fait un très bon départ mais qui ne peut résister. Voilà, quatrième place. Ah, attention, Massa qui résiste un peu. Mais quatrième place récupérée par Valtteri Bottas. Peut-être le champion, futur champion à la fin de ce Grand Prix. Carlos Sainz, troisième tour, qui prend l'aspiration sur Pascal Wehrlein, la Toro Rosso qui a l'air d'avoir une vitesse de pointe un peu supérieure face à la Sauber. Ça se décale pour Carlos Sainz et au freinage, ça va prendre l'intérieur. Et ça passe sans aucun souci face à Pascal Wehrlein. Et derrière, c'est Kvyat qui va peut-être tenter sur la ligne droite suivante. Face au pilote allemand, est-ce que ça va se décaler? Non, pas encore. Kvyat qui préfère jouer la prudence pour le moment. Valtteri Bottas, quatrième tour, ça s'enchaîne. Et là, il a rattrapé Sebastian Vettel monstrueusement. Hein. Et Bottas qui passe sans aucun souci sur le pilote allemand. Bottas déjà sur le podium, qui a l'air très 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 bien parti. Pour être champion. On va voir si Vettel peut défendre sur la ligne droite, la deuxième. Bottas a le DRS. Et Bottas qui résiste pour l'instant. Quatrième tour donc. Bottas monte sur le podium. Ouh là là, le train de fou. Hülkenberg, Grosjean qui décale. Ocon qui est derrière, qui a l'aspi, qui va. Ça tape avec Hülkenberg. Ocon qui se décale. Ah là, on n'a aucune vitesse de pointe. Hein. On voit le retard qu'on a en termes de moteur. Attention, Stroll qui arrivait comme une brute. On va essayer de faire l'extérieur à tout ce petit monde pour récupérer notre position. Oh, c'est magnifique. Oh, la défense splendide. Là, par contre, oh, le bouchon qu'on est en train de créer sur tout le monde. C'est un cauchemar. On est vraiment, vraiment trop lent. Et maintenant, Grosjean. Grosjean qui va retenter la manœuvre comme Hülkenberg au tour précédent. On va défendre à l'intérieur. Voilà, défense sur le français.
Au moment où on fera l'arrêt au stand, je vous le dis, on va se faire dépasser par beaucoup, beaucoup de voitures. Et on continue tous les tours, à tous les tours, il est 9, cinquième tour, et maintenant c'est Massa qui est en galère face à Daniel Ricciardo, Sergio Perez et Max Verstappen. Ricciardo qui va peut-être tenter, qui va se décaler à gauche, Perez qui arrive, attention, c'est le boulet de canon, la Force India qui arrive sur la droite. Ça va aller à 3 de front dans le premier virage, attention, le contact avec Massa, Massa qui bloque la roue, Ricciardo qui passe, Perez qui passe, Verstappen qui va tenter sur l'extérieur, et qui passe également, 3 places perdues pour Felipe Massa. Bon départ, mais alors derrière, ça s'effondre complètement. Et Raikkonen qui va peut-être prendre la tête face à Lewis Hamilton, qui a la spi, qui a le DRS, le carburant riche, il se décale. Et il passe sans souci, même avant le freinage. Tranquillement, Raikkonen donc est le nouveau leader. Et pour le championnat, eh ben, il essaye de garder ses chances. Et tous les tours, c'est une horreur. Tous les tours, c'est une horreur. Là, cette fois-ci, c'est Grosjean qui vient. Attention, Ocon! Mais Ocon qui vient là où il n'y a pas de place, quoi. C'est pas possible. Grosjean qui a écarté juste avant le point de freinage, ça c'était pas très très intelligent de sa part, c'était même dangereux. Et Grosjean qui est passé, Ocon je pense va passer également. Non, je ne voulais pas m'arrêter. Bottas! Abandon du leader! Abandon du leader du championnat! Oh la casse! La casse pour la Mercedes! Le titre! Le titre qui se relance complètement pour Kimi Raikkonen. Alors ça c'est fort, ça c'est très 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 fort. Daniil Kvyat, 15e derrière son équipier Carlos Sainz. Là on est sur un gros gros bouchon, hein. On voit Magnussen et tout. Oh et crevaison! Crevaison pour Daniil Kvyat à l'avant-gauche! Oh, la course qui est ruinée, parce qu'il a, il a la moitié du tour à faire, malheureusement, le russe. Ah, oh, course ruinée pour le pilote Toro Rosso, c'est dommage. Ça rentre au stand. Ça rentre au stand pour Felipe Massa. Dès le cinquième tour, ça fait tôt, hein, ça fait très très tôt. Là, Hülkenberg qui arrive derrière, qui va arriver comme un boulet de canon. On est censé s'arrêter tour 8, je ne sais pas si on arrivera à tenir jusqu'au tour 8, très franchement. Et Hülkenberg qui dive bombe. Ça va être côte à côte là pendant tout l'enchaînement. Il faut ressortir assez vite. Waouh, le petit coup de roue d'Hülkenberg. Il est tout... Il est toujours là. Hein. Oh, attention, Stroll qui veut créer une troisième ligne. C'est pas possible, Stroll. C'est pas possible. Hülkenberg qui va avoir l'avantage. Et Hülkenberg qui ne passe pas, qui se fait même. Il se passe trop de trucs. Il se fait attaquer par Stroll derrière. Le bouchon continue. Et ça rentre pour les leaders. On est avec Daniel Ricciardo alors que Hamilton et Vettel sont au stand. Ça chausse les super softs, c'est évident. C'est évident. Et donc, à quelle position ça va repartir pour Daniel Ricciardo? On va suivre. C'est une chance pour le podium maintenant. Ricciardo qui est P13. C'est pourquoi pas P13 pour l'instant. On va regarder devant. On a Alonso P12, Van Dorn, Vettel et P10 pour l'instant. Et Hamilton qui a fait la bonne affaire. Hamilton qui est P5. Ah oui, il y a énorme écart entre Hamilton et Ricciardo. Fin du cinquième tour. Du cinquième, non, du huitième tour. Alors qu'Hamilton derrière est en train de se montrer en nos rétroviseurs. On va faire l'arrêt au stand prévu. Vettel apparemment qui a des problèmes sur sa voiture. On était donc quatrième de la course, hein, suite aux différents arrêts au stand. On plonge en même temps qu'Esteban Ocon. Et on est au stand. Magnussen également derrière. On va bien voir ce qui se passe, à quelle place on va ressortir. Verlaine qui est au stand. Oh, de justesse, hein, de justesse pour Pascal. Il a failli se faire bloquer. Et on est ressorti devant Esteban Ocon. Magnifique. Les autres pilotes qui ont réussi. Et voilà. Et Stroll par contre et Hülkenberg qui arrive à fond. Ouh là là. Ouh, on s'est peut-être rabattu un peu fort.
sur Hülkenberg. Hülkenberg se troll, là, la lutte, attention, entre les deux. Une sacrée lutte, peut-être DRS, non pas de DRS. Par contre, l'aspiration, l'intérieur, la tentative sur Lance Troll, il y a eu petit roue contre roue face aux Canadiens. C'était très chaud. Et ça nous offre la 12e place pour l'instant. Et un petit peu de... Ouh! Un petit peu d'air. Alors que devant on a Hülkenberg, mais qui va être très compliqué à aller chercher. Et voilà, et pénalité de 3 secondes. Mérité. Vettel qui a des soucis. Effectivement, ou Vettel, ouais, qui est pas très très rapide. Et derrière, attention, et Daniel Ricciardo qui est en train de remonter comme une fusée sur le pilote allemand. Et qui va passer, qui va tenter de dépasser dans la fin de ce deuxième secteur. Et oui, intérieur magnifique de la part de Daniel Ricciardo, qui prend la troisième place virtuelle de ce Grand Prix. Ricciardo sur le podium. Et Esteban Ocon, qui est à l'aspiration sur Lance Troll pour la 11e position, sans aucun souci. Hein. On voit effectivement Lance Troll qui est derrière, qui est un peu lent. Et on a Magnussen. Oh, le contact de Magnussen. Non, mais c'est n'importe quoi, ça. Magnussen qui va essayer par l'extérieur sur la Williams. Meilleure accélération peut-être pour la Haas à moteur Ferrari. Et Magnussen qui passe. Ah, Stroll qui a peut-être des petits soucis là sur sa voiture. Deux places posées, deux places perdues pour le Canadien. Et maintenant, c'est Sergio Pérez qui va sur Philippe. Sur Sébastien Vettel. Vettel qui est vraiment en galère. Hein. Et derrière, ça doit être Max Verstappen. Oui, Max Verstappen qui passe, voilà, sans aucun souci. Deux places perdues pour Vettel qui a vraiment des soucis avec sa voiture. Et qui maintenant doit résister à Felipe Massa. Lance Stroll en bagarre avec Esteban Ocon. Ocon qui a donc des difficultés maintenant sur sa Force India. A peut-être des petits soucis mécaniques. Et Lance Stroll, du coup, qui va tenter dans la deuxième zone de DRS. Sans. D... Bah si, avec le DRS. D'aller chercher Esteban Ocon. Attention à l'intérieur. Et normalement, Esteban qui va avoir l'avantage sur le prochain virage. Et ça continue de se bagarrer roue contre roue dans cet enchaînement. Dans le mini stadium. C'est magnifique. Et Stroll qui y arrive malgré tout. Meilleure traction en sortie de virage. Et le Canadien qui passe et qui récupère la 11e position. Et arrêt au stand devant Massa. Ouais, Massa qui fait un deuxième arrêt au stand. Fin du 11e tour. Ocon derrière qui a eu des soucis. Donc Magnussen maintenant est 10e. Ne pas oublier les 3 secondes de pénalité. Qui font que il est très probable qu'on ne finisse pas dans les points aujourd'hui, malheureusement, mais c'est mérité. Là derrière, effectivement, on a Stroll hein, derrière, j'ai l'impression. Ocon qui a disparu. 2 tours plus tard, Palmer qui va aller attaquer Lance Stroll. Palmer qui a l'air d'être encore plus efficace que le Canadien pour cette fameuse 11e position. Derrière, on a Carlos Sainz. Et Palmer qui passe à l'intérieur. Attention, c'est chaud. Lance Stroll qui va peut-être vouloir défendre. Et non, qui est obligé de se raviser. 11e place, Julian Palmer. Et attention derrière. Hein, ça va être une bagarre à 3. Avec Stroll, avec Carlos Sainz. Et avec Felipe Massa qui revient suite à son deuxième arrêt. Allez, ça y est, Magnussen qui est revenu. 15e tour. Magnussen qui va passer. Hein. DRS, on va pas chercher à l'affronter. Ça ne sert à rien. Derrière, Stroll est 11e. Et c'est surtout ça en fait qui va nous intéresser. Il faut que Stroll reste à plus de 3 secondes. Attention Magnussen là qui a été un peu lent. Il faut que Stroll reste à plus de 3 secondes. Stroll qui est en bagarre avec Palmer apparemment. Et ça nous confirmerait la 10e place. Donc on pourrait réussir à partir du Grand Prix du Mexique avec un point. Et ça, on le voyait pas venir hein, très franchement lorsque le week-end a débuté. Ah, problème sur la boîte de vitesse. Alors, ce sera intéressant de voir quel rapport pose souci. Oh, serait-ce la cinquième ou la quatrième? Pas vraiment pu percevoir. Non, ça a l'air d'être encore en dessous.
Bon, bah ça va, la boîte de vitesse qui a pas l'air d'avoir encore de poser trop de soucis, mais qui devrait pas tarder hein, pendant la course. Donc ça va être compliqué. Donc défendre face à Palmer, Stroll, qui sont derrière, qui sont eux en bagarre finalement entre eux. Et on pourrait marquer le point de la 10e place, ce qui ferait que on ne serait plus à égalité avec Esteban Ocon au championnat pilote. Grosjean, je crois, est quand même devant. Donc là, ça ne sert pas à grand-chose de s'y intéresser malheureusement au pilote As. Mais ouais, on peut sortir un petit miracle encore aujourd'hui si on arrive à garder un bon rythme. Dernier tour! Dernier tour et le souci s'appelle Jolyon Palmer. 4 secondes. Il faut qu'il nous reprenne moins d'une seconde sur ce dernier tour pour pouvoir prétendre finir dixième. Sinon, ce sera le pilote Renault. Et là, on va mettre carburant riche. On va mettre toutes les chances de notre côté pour finir dans le top 10 au Mexique. C'est là, Palmer, il est plus dérangé par le groupe qui est derrière lui. Et ça, c'est pas cool. Ah là. Carburant. Raikkonen vainqueur! Oh là là, Raikkonen qui va reprendre 25 points à Bottas. Le titre qui est complètement relancé aujourd'hui. Ça, c'est exceptionnel. Vraiment exceptionnel. La Sauber qui est vraiment très compliquée à conduire dans l'enchaînement des S ici au Mexique. Dernier secteur. Les feux d'artifice qui sont en train d'exploser ici dans le stadium de ce circuit de Mexico. Dernier virage. Et on va voir si Palmer aurait réussi à revenir à moins de 3 secondes. Et non! Et non! Dixième place! On a marqué le point de la 10e place au Mexique. Ça, c'est une bonne chose. C'est une superbe course. Superbe nouvelle. Course plutôt tranquille, certes. Mais on aura bien résisté à tout le monde. Profiter des différents soucis, hein, effectivement. Raikkonen, donc, est vainqueur devant Ricciardo et Hamilton, apparemment. Alors, Vettel n'est pas sur le podium. Vettel a eu des soucis, effectivement, sur sa voiture. On verra où il a fini. Mais Raikkonen qui se relance complètement au championnat, alors que Bottas aurait pu être champion aujourd'hui même. Donc faudra suivre la situation au Brésil. Et non, Raikkonen vainqueur devant Hamilton et Ricciardo. Les Red Bull quand même qui ont fait une belle remontée, je crois, en cette fin de saison. Et il faudra compter sur eux hein, pour la saison 2. Les Red Bull vont vouloir jouer le titre. Ricciardo comme Verstappen. Mais là aujourd'hui, le jour de gloire est pour Kimi Raikkonen. Donc, le podium, vous le connaissez. Verstappen termine 4e devant Perez. Vettel, voilà, seulement 6e avec ses problèmes devant Romain Grosjean, Hülkenberg, Magnussen et nous-mêmes. Heureusement, les 3 secondes de pénalité n'ont pas été un trop gros souci. Palmer donc porte des points. Et derrière, un Massa stratégie à deux arrêts qui a complètement foiré, hein, puisqu'il finit 14e. Verline 18, Kiat qui a dû avoir des soucis puisqu'elle finit à un tour. Et donc, abandon de Valtteri Bottas. Donc, au championnat, il n'y a plus que 19 points d'avance pour Bottas face à Raikkonen. Alors, Bottas peut encore être champion hein, au Brésil. C'est pas forcément trop compliqué. Il lui faut plus de 25 points d'avance. Donc si Bottas gagne, il est champion. Après, ça devient des cas de figure un peu compliqués. Verstappen dépasse Massa et récupère la 6e place, qui devrait normalement, il devrait avoir cette position de base. Ricciardo 5e, hein, qui est pas trop loin non plus de Vettel et Hamilton. Donc Ricciardo, belle saison. 20 points de retard pour nous face à Romain Grosjean, mais on est bien 10e seul. Un point d'avance devant Esteban Ocon. Et franchement, dixième, c'est pas mal. Hülkenberg remonte à la 14e place en dépassant Carlos Sainz. Et c'est tout au championnat pilote. Championnat constructeur, pas de changement. Seulement 13 points maintenant pour Mercedes face à Ferrari. Donc là, ça se relance à nouveau. On est septième. 3 points d'avance devant Toro Rosso. Les Toro Rosso qui n'ont pas marqué de points aujourd'hui. Donc, bonne nouvelle.
Par contre, effectivement, As qui est un peu plus loin. Bon, tant pis. Mais c'était une très bonne course pour nous. Donc, suite à ce grand prix, 173 points de ressources, plus le bonus du premier pilote, 193 points, face à Grosjean qui va être perdu. Oh, de justesse Grosjean, mais bon, qui va le gagner bien évidemment hein, lors du Grand Prix du Brésil. Et donc voilà, magnifique Grand Prix du Mexique pour nous, encore un point obtenu, décidément. Il reste plus que deux Grands Prix. Et là, on a un moteur ouais, qui est usé à 38%, boîte de vitesse qui est passée au-delà des 50%. Alors là, il faudrait que la boîte de vitesse tienne pour ce Grand Prix du Brésil. Et que l'on repasse à la dernière pour le Grand Prix d'Abu Dhabi. Tant pis, hein. Prendre 5 places à Abu Dhabi, c'est pas forcément. C'est moins pénalisant qu'au Brésil. Le moteur, je pense, peut tenir le coup. Maintenant, on peut toujours rechanger en fonction de l'usure. Ça, au moins, il n'y aura pas de pénalité là-dessus. Donc, voilà. J'espère que ce Grand Prix du Mexique vous a plu. On se retrouve très vite pour l'avant-dernière manche du championnat à Interlagos. Merci, à la prochaine. Salut.